quand on arrive à l'adolescence, au moment des premiers choix d'orientation, on a quand même des jeunes personnes qui ont 15, 16, 17 ans. Donc, il s'est passé des choses depuis leur naissance. Et ils arrivent avec une construction identitaire qui est sexuée, comme on dit. L'identité, elle est sexuée. C'est-à-dire que les filles s'envisagent en tant que filles et non pas en tant que personnes humaines, et les garçons en tant que garçons. Qu'il y ait plus de mixité dans ce travail-là, je pense que ça serait plutôt bien. Puisque c'est un milieu, des fois, il est un peu macho, on va dire. Et ça changerait beaucoup de mentalité, en fait. Là où les filles ont des soucis, c'est pas dans les filières d'excellence. C'est plutôt en apprentissage, où là, elles se confrontent parfois à des milieux professionnels, techniques, dans lesquels les esprits sont pas encore prêts à leur faire une place. Dans cet atelier, c'est vrai que je suis la seule fille. Donc c'est un peu compliqué de trouver sa place. Mais au final... Avec le temps. Les filles peuvent aussi faire la mécanique, sont aptes à faire la mécanique, parce qu'au fil du temps, en fait, la mécanique, ça a beaucoup changé. Maintenant, il y a beaucoup plus d'électrique, les pièces sont moins difficiles à démonter, tout ça, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde, quoi. Alors, les filles trouvent assez bien leur place dans nos ateliers, car on a besoin d'elles pour des travaux bien spécifiques, des travaux méticuleux, un tableau de bord, un radiateur de chauffage, ou ne serait-ce que du diagnostic. Elles sont plus adaptées à ce type de recherche de panne. Elles amènent une certaine sérénité malgré tout à l'atelier. C'est ordonné, c'est rangé, c'est propre une fille. Dans cette filière, ce qui m'a plu, c'est le fait de travailler avec des machines de précision, avec toute une technologie qui est sans cesse en perpétuelle évolution. Donc sans cesse, il faut réapprendre des choses. Il y a beaucoup d'innovation dans ce métier. Les métiers en un sexe, c'est en fait purement statistique. C'est-à-dire qu'il y a des métiers dans lesquels il y a plus de 90% d'un sexe pour moins de 10% de l'autre. Donc on a beau dire, en termes de compétences, ça n'a pas de sexe, effectivement, mais en termes de représentativité des deux sexes, c'est loin d'être équilibré. Alors les filles, si elles vont faire une formation majoritairement de garçons et un métier majoritairement exercé par les hommes, Elles sont soumises à ce que j'appelle, moi, là, une double contrainte. C'est faire la preuve qu'on peut faire aussi bien que les hommes dans ce métier. D'ailleurs, il faut remarquer que les hommes servent de norme. On ne sait pas pourquoi, c'est eux la norme. Hein. Pas parce qu'ils y sont et qu'ils y sont les plus nombreux et depuis longtemps que c'est forcément eux qui font le mieux. Et tout en restant quand même une femme reconnue comme quand même féminine. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. Dans la filière éducateur de jeunes enfants, selon les années, on a entre 0 et 5% d'hommes. La question du soin aux jeunes enfants et de l'accueil des jeunes enfants est souvent rattachée à des qualités qui seraient naturelles chez la femme. Donc je pense que c'est relativement renforcé par le fait que quand ces mêmes étudiants sont accueillis en crèche, ils sont accueillis massivement par des femmes, à l'école maternelle par des femmes, à l'école primaire par des femmes. Donc je pense que ce sont des choses qui perdurent. Nous, je pense qu'en tant que femmes, c'est une généralité. On n'est pas forcément toujours à même d'admettre que les hommes ont des capacités maternantes. Alors que ce n'est pas le cas sur le terrain et sur la réalité. Mais je crois que c'est plus une vision de la femme aussi sur l'homme auprès du jeune enfant. Vous disiez qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens financiers de pouvoir acheter des vêtements. Alors j'ai eu l'envie de travailler avec les enfants pour être avec les enfants parce que je trouve ça joyeux, on rigole beaucoup, on fait plein de choses dans une journée, on fait partie un peu de leur développement initial et c'est ça qui m'a donné l'envie en fait, c'est vraiment être l'un des premiers à participer à leur développement. Pour les femmes, on parle du plafond de verre. On a remarqué que pour les hommes éducateurs de jeunes enfants, on est sur un escalator de verre. C'est-à-dire qu'il ne reste que très peu auprès des enfants dans les équipes. Et alors qu'une femme a besoin d'une dizaine d'années avant d'être promue à un poste de direction, les hommes, en généralement, au bout de 2-3 ans, sont déjà directeurs. Donc déjà sur des postes où ils ne sont plus en contact direct. Donc c'est vrai qu'on a un vrai souci. Peu d'hommes, peu de temps sur le terrain et vite des fonctions de direction. Donc on est confronté à en fait peu de représentativité des hommes auprès des enfants et des équipes. Bonjour madame. Voilà.
Oh là là, je vais carrément te réveiller, ça c'est pas très bien ça. On ne voit pas ce qu'il y a dans la biologie des hommes en tant qu'hommes biologiques, c'est-à-dire qu'ils produisent des spermatozoïdes pour la procréation, qui les empêcherait d'accéder à ces connaissances et à ces compétences-là. De même qu'on ne voit pas ce qu'il y a dans la biologie des femmes qui les empêche de comprendre les mathématiques à un très haut niveau, la technique, ou être dans des activités qui engagent le corps. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. Sur 130 étudiants qu'il y avait à l'école, et on était environ une douzaine de garçons en fait, dans toute l'école. Dans ma promo, on était trois. Il fallait trouver sa place dans les différents stages, à l'école, dans toutes les activités qu'il y avait à faire avec, concernant l'école de sage-femme. Pour les copains, bon, c'est une source de moquerie assez intense. Mais tout le monde s'y fait et puis tout le monde apprécie de savoir que je suis sage-femme et que je peux donner des conseils à tout le monde dans les moments difficiles, on va dire. Donc, au premier abord, avec les couples, en général, c'est vraiment le premier, c'est grosse surprise. Ah, Charles, sage-femme, on s'attendait pas à ça, on s'attendait à voir une petite femme. Toute mignonnette qui s'occupera de nous. Après, au fil de la prise en charge, on se rend compte que voilà, c'est plus détendu et puis les patientes sont plus ouvertes et puis elles aiment bien en général et puis elles sont assez contentes d'avoir un homme comme sage-femme qui s'occupe d'elles parce qu'après, derrière, elles en reparlent et puis c'est des souvenirs qu'elles n'oublient pas en général en fait.